Il y a les innovations technologiques, il y a aussi les innovations organisationnelles et les deux sont extrêmement importantes pour notre système de santé parce que comme ce matin on l'a beaucoup entendu, il faut accompagner la transformation de notre système de santé afin de permettre à l'ensemble des patients de pouvoir bénéficier de ces innovations et d'avoir une santé, ce qu'on aime appeler pérenne et solidaire. Alors je pourrais en donner plein d'exemples. Je vais donner un exemple qui me tient beaucoup à cœur. C'est le pacemaker sans sonde. C'est une innovation qui me tient à cœur parce que comme beaucoup d'innovations, on a mis longtemps à avoir l'accès en fait au remboursement en France. On l'a obtenu il n'y a pas très longtemps et elle va bénéficier à un certain nombre de patients en France. Donc c'est pour moi une très bonne innovation dans le cardiovasculaire. Alors, ce qu'on peut attendre du SNITEM, et entre autres en termes de remboursement, bon, déjà, c'est extrêmement différent, évidemment, si on est une start-up ou un grand groupe. J'allais dire que quand on est un grand groupe, quand on est au SNITEM, c'est un partenariat, puisqu'on va évidemment apprendre des choses, mais aussi nos équipes vont beaucoup participer. C'est un peu, j'allais dire, l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut travailler en partenariat et puis être certain que tous ensemble, dans notre écosystème, on va permettre à nos patients d'avoir accès le plus rapidement possible à des innovations qui va leur permettre soit d'avoir une vie plus longue, d'avoir plus de qualité de vie, en tout cas de pouvoir bénéficier des innovations. Comme beaucoup d'autres grands groupes, nous faisons partie de MedTech Europe. C'est pour nous, on va dire, une association aussi extrêmement importante. J'allais dire que le SNITEM, c'est pour la France, MedTech Europe, c'est pour l'Europe. Ça permet, j'allais dire, que tous ensemble, on travaille avec les mêmes règles et on est dans un environnement extrêmement réglementé. On va continuer à l'être. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va travailler avec les mêmes règles, toujours pour la même chose, continuer à mettre ces innovations au service des patients en Europe. Moi, ce que j'aime dans notre système français, c'est qu'on est dans un système pérenne et solidaire et on permet à l'ensemble des patients d'avoir accès à l'innovation. Et tous ensemble, en tant qu'industriels et avec le système, on doit continuer à se battre pour ça. C'est un élément extrêmement important.